ça risque d'être compliqué sur la QSO. Salut, station en fréquence, les bonsoirs 13 côté à vous tous de la part de Dindy 33. Et c'est parti pour le QSO du samedi soir. Donc on est samedi 21 mai 2016. Alors là, ça risque d'être un petit peu compliqué ce soir. Là, si on reste là, sur le 27-275, vu le QSO FM qu'il y a derrière, alors est-ce qu'il y a du monde? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va être sportif, là, pour le QSO. Hein. Oui, je t'ai entendu, je crois qu'on va basculer de suite sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. C'est parti pour moi car là c'est j'entends personne. Tu as réussi à passer au travers difficilement Michel, les bains sont très sacotés à toi. Allons, on s'en va de suite sur le 27-270. Ok, Michel, les 213-51, est-ce que tu es rendu? Attention, Michel. Ouais, affirmatif. Qu'est-ce que t'en penses là si on descend directement en Lima, Sierra Bravo? Ah, je sais pas, moi, il m'a rien dit. Ah, si, ok, bon, le principal c'est qu'il y a quelqu'un de courant. Ok, d'accord, bon, ben c'est pas grave. Ah oui, je devine, il doit être son truc de radiomodélisme. À tous les coups, ça doit être ça, hein. Oui, enregistrer le break. Bah, bien sûr, évidemment que je l'ai pris à la rigolade. De toute façon, venant de ta part, forcément, je ne pouvais pas le prendre autrement. Chie trois coups. Il y a eu un break, il me semble, à moins que ce soit un petit coup de propag, je sais pas. Je vais laisser un blanc là pour voir, en avant la station. Non, j'arrive pas à le sortir. Ouais, ok. De toute façon, Michel, par rapport aux orages et tout, si de ton côté tu le sens pas là pour le QSO, hein, ben c'est pas un problème. Hein, on en fera d'autres un QSO, hein, c'est pas un souci. Hein. Ouais, ouais, non, mais si tu dois attraper la foudre de ton côté, ouais, non, mais là, c'est un peu normal que je passe. Vu ce que je vois d'affiché, là, sur le wattmet, c'est normal. Ah, chi, je dois avoir 4 watts 5, là, donc là, c'est déjà pas mal. Non, mais si tu crains d'attraper la foudre, y a pas de problème, hein, on arrête là, hein, c'est pas du tout un problème. Ok,
Ok, 100% QSL, Michel, il n'y a pas de problème. Non, mais tu as raison. Hein. Là, je vais remonter un petit peu là, sur le 27-275 en uniforme Sierra Bravo pour voir. Et après, je couperai aussi. Il n'y a pas de problème, Michel. Les vents sont 13-51 à toi, et, soit sur le forum, soit sur le prochain QSO. Bye et protège bien tes aériens. Ok, de toute façon, la petite vidéo est en route, donc tu verras la différence entre l'uniforme Sierra Bravo et le Lima Sierra Bravo. Hachi trois coups, bye bye. En plus, et coquin aussi, on n'est même pas descendu au Lima Sierra Bravo. Bon, c'est pas grave, le prochain coup, bye bye. Ok, alors, est-ce qu'il y a des stations que j'arriverai à entendre là sur le canal 27 en uniforme Sierra Bravo? Là pour voir avant de couper, car là on est en plein dans les orages. Ok, il m'a semblé entendre. Alors, vous êtes Alzheimer, Lodu, Ludo. Dolus, Dolu 33. Dolu, oui, c'est toi que j'ai entendu. Bon, je sais pas si c'est toi que j'ai entendu, là, Dolu 33. Et là, j'arrive pas à te sortir. J'ai trop de QRM, là, électrique. Là, c'est les orages sont un petit peu partout, là, autour de nous. J'ai eu Michel, si c'est toi là qui est derrière, j'ai eu Michel là à l'instant, il a vite QRT là, pour débrancher la station car là c'est plus possible là, de son côté. Là. Bon, je reste un petit peu là sur la fréquence, là, quelques minutes, là, pour voir au cas où quelqu'un se signalerait, et je passerai au CQRT, quoi. Bon, ben, s'il y a des stations là qui m'entendent derrière, ouais, c'est en train de se gâter sérieusement de mon côté. Je vais aussi passer QRT, débrancher la station. Les bandes sont 13-51 aux stations qui essaient là, de passer. Dolu 33, désolé, mais je t'entends vraiment pas du tout. Bon, ce sera pour le prochain coup, c'est pas grave. Bonne soirée à tous et bye bye.
Alors, 22 ans, en maillot de bain, on va trouver une bombe.